dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce soir, je voulais te présenter des nouveaux triggers que j'ai achetés il n'y a pas très très longtemps. Par contre, il est possible que tu les aies déjà entendus dans un live Twitch ou TikTok. En tout cas, ce que je voulais tester vraiment pour la première fois dans cette vidéo, c'est le slime. Donc voilà, j'ai enfin reçu le slime. Et voilà, ça pour le coup, ce sera vraiment la première fois ce soir. Donc installe-toi confortablement. Et on va pouvoir commencer avec le premier trigger. C'est parti. N'hésite pas à me dire en commentaire le trigger que tu auras préféré. Et comme tu le sais peut-être, j'avais déjà une limace comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour je fasse un live chez ma copine et que j'utilise un de ses triggers, puisque elle aussi fait de l'ASMR. Et du coup, c'était une limace comme ça, avec les mêmes couleurs. Voilà, un peu fluo. Et j'ai trop aimé. J'ai décidé de chercher la même. Et je suis tombé sur ce lot de limaces sur Amazon. Et du coup, je trouve que c'est encore mieux d'en avoir deux. Puisque du coup, on a le son un peu en binaural de chaque côté. Je te cache pas qu'en plus c'est plus facile à manipuler comme ça. En tout cas, j'adore la couleur. Je sais pas ce que t'en penses. Et en plus, le son est différent. C'est un son plus doux. Donc voilà. Je suis plutôt content.
passer au deuxième trigger. Et là, j'ai plutôt hâte, puisqu'on va faire le slime. C'était assez compliqué à retirer de la boîte, mais c'est bon, j'y suis arrivé. Alors c'est du slime que j'ai acheté sur AliExpress. C'était du crunchy slime, donc avec des petites décorations à l'intérieur qui donnent ce son un peu crunchy. Franchement, j'adore. J'adore, et puis visuellement, je le trouve plutôt joli. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais franchement, ça fait un super bon son. Alors j'espère juste restera comme ça. J'avais peur qu'il n'y en ait pas assez parce que la boîte était quand même assez petite, mais au final, je trouve que ça va. C'est assez satisfaisant. Et ce qui est bien, c'est que ça colle pas trop aux mains parce que les slimes que j'avais achetés avant, c'était une horreur. Vraiment, j'adore. Là, pour le coup, je suis pas déçu.
Alors on va passer à l'autre slime. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai dû couper le deuxième slime, tout simplement parce que ça faisait aucun bruit. Donc un peu déçu. Un peu déçu, mais du coup on va passer au troisième trigger. Si c'est un trigger très populaire, je pense pas. Mais en tout cas, j'avais envie de tester. Je trouve que c'est sympa avec l'été qui arrive. Et du coup, je trouve que c'est toujours plus agréable d'avoir des couleurs qui rappellent qui rappellent l'été. Tout simplement. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Alors c'est sûr que c'est pas mon trigger préféré, mais je trouve que ça change. J'adore les triggers où il y a plusieurs pièces comme ça et qui donnent un son un peu comme si on fouillait dans quelque chose. Par exemple, quand on fouille dans une trousse, j'aime beaucoup ce genre de son. J'espère que ça te détend. Que ça te relaxe.
Trigger numéro 4, c'est tout simplement cette petite balle anti-stress. Rien d'exceptionnel, c'est juste une balle anti-stress classique. Mais voilà, j'en avais plus, donc et je voulais un son bien spécifique. Malheureusement, j'en avais commandé deux. Mais l'autre ne fait aucun bruit, donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça vient aussi d'AliExpress. Je trouve que malheureusement il y a très très peu de choix sur Amazon. Et c'est bien dommage. J'aime bien ce son là. J'espère en tout cas qu'elle va pas se percer, parce que ça c'est un peu l'inconvénient avec les balles anti-stress. D'ailleurs, à chaque fois que je regarde des avis avant d'acheter, je suis jamais rassuré, parce que il y a toujours des gens. Je l'ai acheté et à peine je l'ai touché, c'est percé, donc c'est pas très rassurant. Je pense que les femmes qui ont des ongles longs, à mon avis, il faut faire très très attention à pas appuyer avec l'ongle. Ok,
dernier trigger, je vais mettre un peu d'écho